Ligne. Je me nomme Monique et j'ai l'immense privilège de faire partie de notre équipe pastorale. Si vous êtes à l'écoute pour la toute première fois, euh, permettez-moi quelques mots pour vous euh, présenter notre église. Alors, l'église de Portail, c'est une église représentée sur quatre sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Et pour Pâques 2023, Dieu voulant, nous ouvrirons le cinquième site à Montréal-Nord. Notre mission, c'est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Je vous invite à naviguer sur notre site internet au www.egliseportail.com. La page Facebook contient également des informations utiles sur nos réunions. Notre église offre différentes activités hebdomadaires, dont Clic, qui est un ministère consacré aux enfants, de la naissance jusqu'à 12 ans, et qui est disponible à tous nos sites lors des réunions le dimanche matin. Et Également, nous offrons des réunions pour les ados, le groupe Accès et les jeunes adultes PJA. Ces groupes se rencontrent les vendredis soirs au site de Laval dès 19h30. Pour information, allez simplement visiter leur page Facebook. On offre aussi des moments de connexion très précieux pour notre Église par le biais des petits groupes qui se rencontrent habituellement, mais pas exclusivement dans les foyers. Vous avez accès à quelques informations sur notre site Internet et si vous avez des questions, écrivez-nous à Petit Groupe au pluriel à commercialeglisesdeportail.com Finalement, par la diffusion des messages en ligne, on a l'opportunité de partager la bonne nouvelle de Jésus à chaque semaine. Alors nous sommes heureux que vous soyez à l'écoute et sans plus tarder, écoutons ensemble la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Je vous souhaite une bonne réunion. Bonjour Église Le Portail. Merci d'être là avec nous. On poursuit notre série sur le livre de Job qui s'intitule Perspective. Et pour entrer dans le message d'aujourd'hui, laisse-moi te raconter une histoire, une anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais jeune. J'étais vraiment très jeune et j'ai grandi avec mon frère et ma sœur. Et lorsque mon grand frère était au primaire, alors vous dire à quel point j'étais jeune, il est à l'école primaire et là, cette journée-là, il apprend une nouvelle chose à l'école. Il apprend l'existence de la DPJ, c'est le centre de protection de la jeunesse. Et là, il apprend toutes les procédures au cas où il vivrait quelque chose à la maison. C'est quoi la ressource qu'il a pour se faire aider? Et là, il comprend dans sa tête que s'il veut, là, lui, là, il peut faire un procès à ses parents. Et là, il revient de l'école avec cette idée-là qui trotte dans sa tête. Et là, toute la journée à l'école, il y a cette nouvelle information que' dans sa tête, il ne sait pas comment utiliser, mais il réalise que maintenant, il y a un levier pour faire plier ses parents. Et là, on est au souper, on mange, et là, ça se voit qu'il y a quelque chose qui est qui tourne dans sa tête, il y a une nouvelle arme, puis il attend juste le bon moment pour pouvoir l'utiliser. Et là, comme d'habitude, un grand frère se met à taquiner la petite soeur. Et là, à un moment donné, mon père interrompt le repas, comme à l'habitude. Et là, il va dire, là, là, David, là, soit que tu arrêtes de taquiner ta sœur, ou tu vas réfléchir dans ta chambre. Et là, c'est le bon moment pour frapper. Et là, mon frère lui dit, non. « C'est pas toi aujourd'hui qui vas me dire quoi faire, parce que j'ai appris aujourd'hui à l'école que si je veux, je peux aller téléphoner à la DPJ et c'est toi qui vas être chicané par la DPJ, non pas moi. » Et là, mon père, dans sa grande sagesse légendaire, il va lui répondre tout simplement « C'est vrai, tu peux aller au téléphone appeler la DPJ si tu le désires, mais il y a un risque. Ça se peut aussi qu'il vienne te prendre, te sortir de ta famille, puis qu'il te ramène plus jamais. » C'est moi vous dire qu'à ce moment-là, le désir d'appeler le téléphone a passé chez mon frère. Pendant un instant, il pensait qu'il pouvait faire courber mes parents, qu'il pouvait leur intenter un procès. Et en vieillissant, la perspective a changé. Aujourd'hui, mon frère a un enfant, une petite fille, et son cœur se briserait si elle revenait de l'école un jour et elle lui disait, Papa, je vais appeler la DPJ. Aujourd'hui, son cœur serait brisé. Sa perspective a complètement changé maintenant qu'il est adulte et parent. Et je ne veux pas réduire tout ce que Job vit et passe au travers. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette illustration, dans cette anecdote de vie, c'est que si nous sommes tous d'accord, que la perspective entre un enfant et un parent adulte est complètement différente. Et on le dit souvent, en tant que parent, on va souvent dire, tu vas comprendre quand tu vas être adulte, tu vas comprendre quand tu vas être parent. Et moi aussi, maintenant que je suis parent, je comprends plein de choses que je ne comprenais pas lorsque j'étais enfant. Et si cet écart est si vrai. Combien plus l'écart entre nous, enfants de Dieu, êtres humains limités et imparfaits, l'écart avec un Dieu infini, éternel et parfait, cet écart est grand. On ne peut pas se mettre dans ses souliers. On ne peut pas tout comprendre. On, on, on manque de perspective. Et alors que Job vit des choses souffrantes réelles, mais dans son manque de perspective, Job va utiliser du langage propre au tribunal et Job va tenter de faire, dans sa souffrance, un procès envers Dieu. Job va tenter un procès. Dieu est-il juste? C'est le titre du message aujourd'hui. Dieu est-il juste? Et ça va mal finir parce que, alors que Job va faire un procès à Dieu, les amis de Job vont être scandalisés et le procès va se retourner contre Job. Ça va devenir le procès de Job par ses amis. Mais d'abord, voyons le contexte où les amis entrent en jeu. On reprend la lecture là où on s'est laissé avec Pasteur Guettin la semaine dernière. Donc, Job chapitre 2, verset 11, il est dit Or, trois amis de Job apprirent tous ces malheurs, tous les malheurs qui venaient de fondre sur lui, en effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent à pleurer à grand bruit. Job était défiguré par la souffrance. Ils ne le reconnaissaient même pas. Ils déchirèrent leur manteau et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis à terre à ses côtés, sept jours et sept nuits. Aucun d'eux ne dit aucun mot. Ils voyaient bien combien sa souffrance était grande. Et ici, on a des amis qui expriment, ils offrent un signe de sympathie pour les deuils que Job est en train de vivre. Ils vont déchirer leurs vêtements et lancer de la poussière. Ça peut sembler hors culture, mais en fait, c'était la façon d'offrir un signe de sympathie. De la même manière qu'aujourd'hui, on offre des fleurs en signe de sympathie. Et deux belles images ici qui mettent un contraste entre justement l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la poussière, c'est le retour à la terre. Tu viens de la terre, tu retournes à la terre. Entre les deux, c'est ta vie humaine. Si tu es une bonne personne, tu es béni. Tu es une mauvaise personne, tu es maudit et à la fin, on retourne à la poussière. C'est la façon de voir de l'Ancienne Alliance. Mais la Bible nous révèle que, en fait, la, la vraie rétribution pour ta vie, c'est dans l'éternité et ce n'est pas sur terre. Et c'est pourquoi la fleur est devenue le symbole, en fait, parce que c'est Paul qui va dire cette illustration, cette métaphore celui qui est, qui, qui est mort en Jésus et qui est mis dans la terre, c'est comme une semence, en fait, et elle donnera et elle va naître dans la vie éternelle. Mais le mot-clé ici, c'est vraiment dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui est dans le Seigneur a un espoir de vie éternelle. Et là, ça devient une image de semence. Ce n'est pas du tout comme cet homme un jour qui est en train de dire à son ami, ah, j'aime le printemps. Le printemps, là, il y a de la vie partout. La vie sort de partout. La terre sauve et la vie sort. Et là, son ami lui dit, ouais, on aurait peut-être dû attendre une autre saison pour enterrer ma belle-mère. Non. Ici, nous avons celui qui est dans le Seigneur, a une espérance plus grande. Et Job commence à saisir cette vérité. L'ancienne alliance était les ombres des choses qui allaient venir et qui allaient être claires dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance. Job commence à le saisir. Ça ne se résume pas à poussière et poussière. Non, il y a quelque chose de plus. On passe du signe de la poussière à la vie, la fleur, la semence. Mais avant d'en arriver là, on commence avec un Job. Qui est accablé, mais avec ses amis. Un job accablé avec ses, ses amis. Alors, il y a tellement de souffrance ici, exprimée par Job, qu'on n'ose même pas parler. La tension est à son comble. Et trop vite, hein, souvent, dans la, dans la littérature chrétienne, on va se mettre à juger les amis de Job parce qu'on sait qu'ils vont être critiqués plus tard et qu'ils vont faire un procès à Job. Mais quand on regarde au début, la Bible présente tellement bien les amis de Job. Hein? On nous donne leur motivation. Ils sont allés voir Job poussés par la sympathie dans le désir de le consoler. Et même que le mot ami, il y a plusieurs amis en hébreu, c'est le mot le plus fort. Ce n'est pas des faux amis. Ils ne sont pas allés là avec un désir de voyaris ou pour venir le corriger. Ils sont venus par la sympathie pour le consoler. Et le lien qui les unit, c'est le lien d'amitié le plus fort. La Bible nous dit ce sont les vrais amis de Job. Et ils font ce que la Bible nous dit de faire pleurer avec celui qui pleure, l'écouter. Ils vont le laisser parler en premier. Ils font tout ce qu'il faut faire. Ils font tout ce qu'il faut faire. Ça devrait nous amener premièrement à être extrêmement reconnaissant envers Dieu des bons amis qu'il place autour de nous. Ça devrait nous amener à vouloir une communauté où on, où on, où on développe ces véritables amitiés pour ceux qui sont dans la souffrance et dans le deuil. Vous savez... Il y a d'excellents amis qu'on a hors de l'Église, mais on doit aussi apprendre et vouloir une Église où, alors on est notre famille éternelle, nous serons une famille éternelle en Jésus-Christ, on devrait vouloir apprendre à développer dans notre Église, dans notre communauté, un lien fort pour ceux qui sont dans la souffrance et dans le deuil. Et ça devrait commencer par chacun d'entre nous prier, je veux être cet ami qui prend bien soin de ceux qui sont dans la souffrance et dans le, dans le deuil. Et la réalité de ça, c'est que si on est honnête, c'est vraiment difficile. Tout le monde, on est mal à l'aise devant le deuil. On est tous mal à l'aise quand la souffrance frappe sévèrement quelqu'un. Et on, on s'est tous déjà mis les pieds dans la bouche en essayant de consoler quelqu'un qui est dans le deuil, tellement qu'à un moment donné, on ne veut même plus essayer de consoler parce qu'on a trop peur de faire un faux pas. Hein, c'est un peu comme ce, ce jeune homme qui était tellement tanné parce qu'à chaque mariage dans sa famille, toutes ses tantes plus âgées lui disaient tout le temps Quand est-ce que c'est ton tour Quand est-ce que c'est ton tour Quand est-ce que c'est ton tour Vous savez comment il a réglé le problème de ce Là, il a commencé à faire la même chose avec ses tantes, mais dans les funérailles. Ne sois pas cette personne. Trop facile de se mettre les pieds dans la bouche. Il y a deux extrêmes soit qu'on n'ose pas aller vers les gens en deuil ou en souffrance parce qu'on ne veut pas se mettre les pieds dans la bouche, ou on y va, mais on dit n'importe quoi. Allons-y au risque de se mettre les pieds dans la bouche, mais apprenons à bien le faire. Et pour cela, j'aimerais te proposer une ressource simple. Si on veut vraiment devenir une communauté qui développe les outils pour prendre soin de celui qui est dans la souffrance, on doit faire quelques efforts, notamment un petit livre accessible écrit par tout le monde. Ce que vous devez savoir sur le deuil, comment aider et non blesser quelqu'un qui a perdu un être cher. Un super petit livre extrêmement pratique écrit par une chrétienne engagée. Qui a vécu plein de souffrances et de deuils que tout le monde a vus, mais certaines souffrances et deuils très spécifiques. Elle a perdu deux enfants en très bas âge d'affilée. Elle a vécu beaucoup de souffrances, elle a reçu beaucoup de paroles maladroites et elle nous aide et avait toujours avec un regard biblique sur comment aider davantage à notre communauté les gens en souffrance et en deuil. Un super bon livre, très pratique. Et aussi, elle nous, elle nous explique très bien comment vie la personne qui est dans le deuil, comment elle réfléchit, sa réflexion est différente, ce qu'elle ressent est différent, ce qu'elle entend et reçoit est différent. Et aussi beaucoup de témoignages de personnes, d'autres qui vivent de grandes souffrances. Tout ça pour vraiment nous aider à mieux comprendre et mieux aider celui qui est dans le deuil. Quelques les exemples. Il y a tellement de catégories de paroles des fois que l'on dit, parce qu'on ne sait pas quoi dire, mais ce n'est pas les meilleures catégories de paroles. Des fois, on dit des affaires sentimentales absurdes. Hein? Dieu avait besoin de nouvel ange au paradis. Des fois, on dit des choses qui mettent l'accent, qui essaient de mettre l'accent sur un bon côté. Ben, au moins, vous êtes encore jeune, ou au moins, vous avez d'autres enfants, ou au moins, au moins, au moins. Une comparaison n'annule pas une véritable souffrance dans l'immédiat. Des fois, on offre des résumés spirituels qui peuvent être vrais, mais qui sont mal appliqués et trop réducteurs. Par exemple, c'était le plan de Dieu, tout concourt au bien. Dans ces, dans ces cas-là, on est en train d'être réducteur. Quelque chose peut être vrai bibliquement, mais dans la souffrance, il ne suffit pas d'une vérité intellectuelle. C'est un long processus où le cœur en souffrance doit s'approprier une vérité et il y a un processus où la vérité intellectuelle doit, un processus où elle doit devenir vécue. Et ça passe à travers un processus, on va en parler plus tard et on le voit dans le livre de Job, c'est un long processus d'appropriation de vérité. Ce n'est pas intellectuel, ça doit, il y a un processus d'appropriation du cœur, une procession de vécu senti, ressenti qui est émotionnel. Des fois, on tord le sens des Écritures aussi. On applique mal l'écriture. Hein? Dieu ne donnera pas quelque chose que tu ne peux pas supporter. On le tord, simplement. Des fois, on dit des choses qui sont culturelles, mais qui sont fausses, qui semblent spirituelles. Dieu avait besoin d'un ange de plus au paradis, où je vais te supporter par des pensées positives. Des fois, on dit des paroles qui mettent une pression. Hein? Imagine comment maintenant Dieu va pouvoir t'utiliser. On met trop de pression. Des fois, on pense qu'on a toutes les réponses. Voici pourquoi Dieu a permis cette souffrance ou ce deuil dans ta vie. Et non, elle ne fait pas juste donner, par exemple, des catégories de choses qui sont maladroites, mais elle donne aussi quelles sont les choses que la personne dans le deuil a besoin, même si elle ne s'en rend pas compte. La personne dans le deuil a besoin de présence, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. La personne dans le deuil n'a pas besoin qu'on lui ramène à, on comprend ce qu'elle a vécu, on l'a vécu, mais qu'on revienne à elle. Comment tu vis ton deuil? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de, 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 de ce que tu traverses. La personne dans le deuil... Elle, elle a besoin de parler de la personne dont elle est endeuillée. Elle a besoin d'anecdotes, même si elles sont drôles. Elle a besoin de se rappeler les bons moments qu'elle a passés avec la personne dont elle est en manque. Si tu connaissais le défunt, raconte-lui. Elle va vouloir une. Voici des anecdotes dont tu te souviens de la personne. Si tu ne connais pas la personne, ose lui demander comment il était. Comment elle était. Raconte-moi. Raconte-moi tes souvenirs. Intéresse-toi. Une autre chose aussi très intéressante quoi faire? Tu sais, des fois, on va dire hey, « si tu as des besoins, appelle-moi, fais-moi signe ». Elle raconte comment que ça met une pression, parce que c'est comme si ce tu es en train de dire « il se passe tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à gérer toute cette information-là, les personnes en deuil et en souffrance et ». Et ce qu'ils reçoivent comme effet, comme ressenti, c'est hey, « là, il va falloir que tu m'aides, il va falloir que toi, tu m'aides à t'aider ». Non, fais juste prendre les devants, ose appeler, ose visiter, ose prendre toutes les tâches importantes, mais qui deviennent de trop pour la personne en souffrance. Fait la cuisine, l'épicerie, la pelouse, déneiger en hiver, le ménage. Appelle, sois présent, ose, aide. Puis malgré tout cela, puis ça, c'est simplement un mini résumé que je te dis d'un mini chapitre de l'ensemble d'un livre tellement riche et pratique. Soyons une meilleure communauté, je suis sûr que tu es d'accord. Mais malgré tout ça, on va quand même rester imparfait. On va quand même faire des erreurs et se mettre les pieds dans la bouche. Et on doit réaliser, on ne sera jamais parfait. On pourra jamais être un sauveur pour la personne dans la souffrance. Et celui, et un jour, toi qui m'écoute, un jour tu vas être en souffrance, tu dois réaliser que même le meilleur des chrétiens, le mieux intentionné, va être imparfait. Il ne pourra pas de lui-même régler ton problème. Les gens seront toujours, même les meilleurs amis, même si la Bible utilise le mot le plus fort pour amis, pour les amis de Job, les amis de Job vont rester des êtres. Imparfaits qui vont devoir apprendre à devenir des meilleurs amis à la fin du livre de Job. On reste des amis imparfaits. Mais et notre Seigneur et notre Sauveur, a vécu la souffrance que ses meilleurs amis étaient imparfaits. Les trois apôtres et amis les plus proches et intimes de notre Seigneur Jésus ne l'ont pas accompagné dans le, la nuit la plus souffrante de sa vie à la veille d'aller à la croix. Alors que Jésus pleurait et suait des grumeaux de sang, ses ennemis ne le supportaient pas et s'endormaient dans le sommeil. Lorsqu'il a été arrêté, il a été abandonné de ses trois amis, de tous ses apôtres et de tous ses disciples. Tous l'ont trahi et rejeté lorsqu'il était à la croix. Jésus a été abandonné. Trahi, blessé par ses propres amis, ses propres intimes, mais pas pour rien. Pour que nous, aujourd'hui, nous ayons l'ami le plus important et le plus puissant, le plus éternel et le plus parfait de ce monde, Dieu. La Bible déclare que celui qui est en Jésus est maintenant appelé ami de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui m'écoutent, que tu as cette conviction que peu importe l'imperfection de ce monde, en Jésus, tu es l'ami de Dieu Déclare-le par des gloires à Dieu dans les commentaires. Et alors que la tension est à son comble, après sept jours de silence, les écluses du cœur de Job sauvent et Job commence à parler. Voici ce qu'il dit en Job 3. Il dit « Après cela, Job prit la parole et se mit à maudire le jour de sa naissance. » Il n'est pas habitué à ça. « Maudire le jour de sa naissance. » Il parle en ces termes « Que périsse le jour où fut enfanté dans la nuit un garçon et où, on dit, un garçon est conçu. » Pourquoi ai-je trouvé des genoux accueillants et une mère pour me donner le sein? Car maintenant, je serai couché et tranquille, je dormirai en compagnie des rois, des grands de la terre qui s'étaient fait bâtir de vastes monuments dont il ne reste que les ruines, avec les chefs, les princes, ceux qui détenaient l'or, l'argent et leur demeure. Je n'ai maintenant ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie. Je suis une victime, je suis attaqué, je suis en proie à des tourments. On n'est vraiment pas habitué à ce genre de lamentation et même d'imprécation à maudit-soit le jour que c'est dur à l'oreille du chrétien. Pourtant, la Bible n'est pas censurée ni tabou, c'est très présent. Ça démontre l'extrême souffrance que Job subit. Et je le rappelle, dans l'ensemble du livre, on voit qu'on a vu la perte des enfants de Job. Job va parler aussi de son anxiété profonde, de ses cauchemars, de son insomnie, de sa maladie physique, ses crottes et ses ulcères. Il va parler de ses indigestions. Il va parler même des problèmes dans sa maison en relation avec sa femme. Il y a des gens ici, là, quand ça va mal dans ta maison avec tes enfants ou ta femme ou la famille, juste ça, c'est capable de te mettre à terre. Lui, il y avait tout ça et en plus des problèmes relationnels dans sa maison. Et aussi les tourments spirituels, le fait que Job est en train de se demander est-ce que Dieu me juge Est-ce que Dieu me maudit Est-ce que Dieu me déteste Suis-je l'ennemi de Dieu Littéralement, Paul, Job va se poser cette question-là. Job vit les, des tourments qui sont physiques, émotionnels, relationnels et spirituels, de toutes les sortes. Et est-ce que c'est correct pour un chrétien de s'exprimer aussi crûment Eh bien, la réponse c'est que. Dieu a permis un livre dans la Bible de 42 chapitres pour te dire que ça arrive, ça peut prendre beaucoup de place. Et oui, c'est correct qu'un chrétien s'exprime authentiquement à Dieu. C'est John Piper qui va dire cette phrase-là. Il n'y a pas de vraie raison d'être réellement en colère contre Dieu. Mais si c'est le cas, dis-lui, parle-lui, entre en dialogue avec lui. Autrement dit, ce qu'il veut dire, c'est que si on y va d'une manière purement intellectuelle et analytique, la vérité, c'est que pas. On va jamais trouver la vraie. On, si on faisait un procès comme Job, on va jamais trouver une vraie raison légitime dans la logique pure pour attaquer Dieu, pour mettre Dieu en procès. Mais si c'est ce qu'on vit au niveau de si c'est ce que tu vis, ton expérience, ta souffrance, ce que tu ressens, eh bien, faut que tu ailles le voir, faut que tu sois authentique, faut que tu lui parles, ne perds pas le dialogue, parle-lui, parle-lui jusqu'à temps que ça se résolve. Et c'est ce qu'on voit avec Job à travers 42 chapitres. C'est long, mais Job ne coupe pas la commission Les amis de Job vont essayer de lui répondre et tu vois à travers le livre de Job, les discours de ses amis vont rétrécir mais Job a toujours parlé de plus en plus et ce qui est intéressant quand tu lis Job à travers ces chapitres tu vois que Job est toujours en train de crier. tantôt il est dans le désespoir mais tantôt il retrouve un peu d'espoir il retourne dans le désespoir il retrouve un peu d'espoir et ça va s'améliorant jusqu'à temps qu'il retrouve à la fin l'espoir final le ciment entre espoir et désespoir de Job c'est un peu comme le cardiogramme qui le garde spirituellement en vie c'est pas fort au début mais ça reprend du rythme à la fin et c'est le fait qu'il n'a pas coupé la communication avec Dieu même dans le pire moment de sa vie qui le garde en vie. Le livre de Job, à partir des deux premiers chapitres où on raconte ce qui s'est passé, là on rentre dans la partie poétique, comme tu le vois. Là on commence les lamentations, les imprécations, le procès, la réponse des amis de Job. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un dialogue, un peu comme une comédie musicale en poésie, et c'est à tour de rôle qu'il se parle. Il y a trois cycles dans les prochains messages. Donc Job parle et chacun des amis de Job vont l'attaquer et Job va répondre. Donc c'est un cycle de trois réponses à ses amis. Et ensuite, il y a un autre cycle et ainsi un dernier cycle. Nous allons voir ensemble le premier cycle. Donc, les trois premiers amis de Job qui lui répondent et la réponse de Job à ses trois amis. Juste ce premier cycle-là, c'est onze chapitres. Onze chapitres de dialogue en poésie. Et en tout, les trois cycles, c'est 39 chapitres de poésie. Pourquoi autant de longues poésies? Je t'invite vraiment à prendre le temps. On va, on va juste le survoler ensemble, bien sûr, le premier cycle, mais je t'invite à le lire. Pourquoi autant de place pour la poésie? Vous savez, des fois, la poésie prend beaucoup de place pour dire quelque chose qui serait juste une vérité qui pourrait être dite clairement. Mais ici, on parle d'une vérité qui est la souffrance. La souffrance... Demande un cœur qui prend la place de se déverser. C'est exactement ce que je disais tantôt avec une vérité réduite. Dieu fait l'inverse dans le livre de Job de ce que des fois on fait en réduisant une vérité. Oui, le livre de Job peut être résumé à quelques grandes vérités, mais ce qu'on est en train de suivre, ce n'est pas les vérités. Mais c'est le processus dans la souffrance et dans le deuil de quelqu'un qui, à travers le deuil et la souffrance, s'approprie une vérité et vit la vérité. Donc, ce n'est pas simplement d'avoir la vérité intellectuelle, mais c'est le processus de deuil, et de souffrance et de réalisation et d'appropriation du cœur à travers le langage de souffrance. C'est un peu comme la semence. La vérité de Dieu est une semence véritable, mais elle doit rentrer dans le cœur, elle doit faire des racines, elle doit s'approprier le cœur en entier, elle doit grandir, devenir forte et finalement donner, produire un beau fruit de vie. Mais tout ça, c'est un processus et pour ça, il prend le temps d'étaler la souffrance dans le livre de Job. Et C'est ce que la Bible dit sur la bonne, la bonne nouvelle de Jésus. est une parole qui rentre dans le cœur, qui grandit, qui produit du fruit, qui doit prendre la place. Et Jésus va dire, il va utiliser l'image. Hein, la maison qui est bâtie sur cette bonne nouvelle, elle va vivre des tempêtes, elle va être brassée, mais elle va survivre. Il dit, elle va vivre des tempêtes, elle va vivre des tempêtes, mais cette semence-là, avec le temps approprié, solide, va faire que tu vas passer au travers. Et nous, contrairement à Job, puisque Job n'avait que l'ombre des choses à venir, mais que nous, on a la lumière claire des choses en Jésus-Christ. Nous, croyants d'aujourd'hui, nous vivons les tempêtes et les souffrances de Job, mais on a un avantage sur Job, c'est-à-dire nous avons l'assurance. Je m'explique. Vous savez, une des grandes souffrances, c'est la grande souffrance spirituelle de Job, en fait. La grande souffrance, c'est le fait de ne pas savoir. Job se demande Est-ce que je suis un ennemi de Dieu Est-ce que je suis maudit Est-ce que je suis rejeté Est-ce que je suis jugé par Dieu Est-ce qu'un jour il va en avoir encore des jours heureux dans ma vie Job ne sait pas. Il est dans l'incertitude quant à toutes ces questions et ces choses. Et j'ai déjà vécu la souffrance de l'incertitude, et peut-être beaucoup aussi tu le vis en présentement beaucoup d'incertitudes sur des choses qui t'arrivent dans ta vie. Il y a environ trois ans, j'ai tombé malade au printemps, un peu avant l'été, et ça durait pendant des mois, des semaines et des semaines. J'étais pas bien. J'avais le ganglion enflé, j'avais toujours de la fièvre, j'avais de la misère à finir mes jours, j'avais tout le temps envie de vomir, je devais me coucher sur le dos, j'avais plus d'énergie, ça commençait même à affecter mon moral. J'avais l'air d'avoir un burn-out physique, j'avais l'air d'être malade dans tous les aspects de mon corps. J'avais aussi, euh, j'avais aussi une déprime, ça commençait à devenir quasiment une dépression et ça s'étirait dans le temps. Et là, je me demandais qu'est-ce que j'ai Et j'en venais, j'essayais dans la presse, je me disais, Seigneur, je veux te faire confiance, même si j'apprenais que je, j'avais une maladie grave. Je voudrais apprendre à te faire confiance, à te dire que tu es au contrôle, tu sais ce qui s'en vient. C'est quoi le pire? Même si je sais que je décide, je meurs dans le Seigneur, le meilleur éternel. J'essaie de me rappeler les vérités, mais la vérité, c'est que l'incertitude de ne pas savoir ce que j'avais, juste de me situer. Je sais ce que j'ai, je sais à quoi m'attendre, et dans cela, je veux faire confiance à Dieu. Mais le fait d'être dans le flou, ça allait amener une souffrance, à un épuisement et un stress au quotidien. Et, et mon médecin a tout essayé. Hein. Il, il a fait des, des tests de sang, des, des radiographies pour le, pour le ganglion enflé qui était énorme dans le cou. Il a tout fait, il a tout suspecté. À un moment donné, il suspectait même que j'avais une grippe de chat. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'une grippe de chat. Je savais qu'il y avait des grippes aviaires, qu'il y avait des grippes porcines, mais je ne savais pas qu'il y avait des grippes félines. Mais ben, il y en a, puis lui, il l'a suspecté. Et au final de tout ça, on s'est rendu compte que ce que j'avais, c'était une simple mononucléose. C'est très taxant, mais ce pas grave. C'est long. C'est un processus long, mais ce n'est pas grave. Mais le fait de ne pas savoir peut être souffrant. Et Job est dans la souffrance spirituelle. Suis-je maudit, rejeté, jugé de Dieu? Reverrai-je des jours heureux? Mais le chrétien a une assurance que Job n'a pas. Celui qui est en Jésus peu importe la souffrance et l'incertitude de cette vie, ont une assurance que jamais il, 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 il ne sera, il sait que jamais à travers ce qu'il vit, il est maudit ou rejeté de Dieu ou jugé. Pourquoi il a cette assurance? Parce que c'est Jésus qui a été maudit, il a été fait malédiction à notre place, il a été jugé, il a reçu tout le jugement de Dieu à notre place, il a été rejeté par Dieu et les hommes à notre place pour que nous ne soit jamais maudits, qu'on soit jamais rejetés et que le jugement passe par-dessus nous et reçoit en Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus, et Dieu ne maudit pas ce qu'il a béni. Si tu es en Jésus maintenant, tu es béni, tu es réconcilié et le jugement a été payé à ta place. Jésus a subi à la croix le pire inimaginable. Il l'a subi, c'est passé. Donc nous avons cette assurance que peu importe ce que je vis, peu importe ce qui, ce qui est au-dessus de ma tête, ce qu'il y a dans ma vie, dans mon quotidien, il ne reste au bout du chemin que le meilleur. Peut-être que je vis dans un moment incertain, peut-être que je vis dans un moment difficile, mais ultimement... Ce n'est pas le pire. Le, le, des jours heureux, je vais en vivre encore. Le meilleur est à venir parce que le pire est évacué. Et Jésus a tout vécu. Et jamais je vais avoir ce doute que je suis peut-être maudit, rejeté ou pas jugé parce que je suis en Jésus. Il l'a vécu à ma place. Ça, c'est une bonne nouvelle dans les bons jours de notre vie. Parce que si en ce moment, tu vis les meilleurs jours de ta vie, eh bien, tu sais qu'il y a encore mieux. Ce n'est même pas le meilleur. Paul dit même que même le meilleur de ce monde, c'est comme de la boue à comparer ce qui s'en vient. Le vrai meilleur est à venir à cause de Jésus. C'est une bonne nouvelle dans les pires jours de notre vie. Parce qu'on sait que ce que je vis, ce n'est pas parce que je suis jugé, ce n'est pas parce que je suis rejeté, ce n'est pas parce que je suis maudit. Non, non, non. C'est les souffrances de cette vie. J'ai cette assurance que je, je suis aimé de Dieu, j'appartiens à Dieu et qu'il reste encore des bons jours. Dieu n'a pas épuisé les bons jours et les meilleurs jours restent encore en avance que je peux entendre une gloire à Jésus, lire des gloires à Jésus sur Internet. Mais là, on passe d'un job accablé avec ses amis à là, un job qui va être accablé par ses amis. Pourquoi est-ce qu'il y a un changement qui s'opère ici? Vous savez, quand Jean va commencer à parler et remettre en doute la justice de Dieu, eh bien, il va se passer comme on dit. Vous savez, quand il y a du contenu qui peut être choquant, on va dire un « trigger alert ». Attention, ça risque d'être choquant. Tu risques d'être « trigger » par le contenu. Les amis de Job étaient des bons amis. Ils étaient là pour Job. Mais là, quand Job remet en doute certains éléments de leur théologie, de leur enseignement, de la vie, là, là tout d'un coup, ils sont « trigger ». Et là, c'est une réaction. Au début, ils sont des bons amis. Mais ce qui va arriver, c'est que là, les amis de Job vont réagir au discours de Job. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que les amis de Job ont une perspective beaucoup trop limitée de ce qui se passe. Eux, ce qu'ils se disent, c'est soit que c'est Dieu qui est injuste dans ce qui se passe à Job, ou c'est Job qui est injuste. Parce que eux, ce qu'ils se disent, c'est que si tu es une bonne personne, il va t'arriver des bonnes choses. Si tu es une mauvaise personne, il va t'arriver des mauvaises choses. Donc ce qu'ils se disent, c'est que si t'arrive des mauvaises choses, c'est que tu es une mauvaise personne, parce que Dieu, c'est impossible que Dieu soit injuste. Donc c'est soit Dieu est injuste, c'est soit que c'est toi qui est injuste. Puis on n'est pas mal sûr que Dieu est juste, donc c'est toi qui est injuste. Mais la vérité, c'est que les amis de Job manquent de perspective. Ils ne réalisent pas que ce n'est pas Dieu qui est injuste. Ce n'est pas nécessairement Job qui a fait un péché grave qui mérite une conséquence. C'est peut-être plutôt que c'est leur vision des choses qui arrive des bonnes choses aux justes et des mauvaises choses aux mauvaises personnes sur terre. C'est peut-être leur vision de la, du fonctionnement de Dieu et de la vie qui fait défaut. En fait, ce que les amis de Job ne comprennent pas, c'est que, il n'y en a pas de bonnes personnes. Eux, ils pensent que les bonnes personnes ont de bonnes choses. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a aucune bonne personne. Il y a peut-être des personnes pires que d'autres. Mais même la meilleure personne reste une personne imparfaite. Et Job va le réaliser. Il n'y a pas de bonnes personnes. Ce qu'ils vont réaliser aussi, c'est que ce monde est injuste parce que ce monde est livré l'être humain. L'être humain s'est approprié ce monde. À l'origine, on le voit. L'être humain a rejeté Dieu, a décidé de vivre dans ce monde par ses propres règles. L'être humain est imparfait et injuste et s'est créé un monde imparfait et injuste. Ce monde est livré entre les mains d'une humanité. Injuste, ce monde est injuste à l'image de l'humanité. Donc, il n'y a pas de bonne personne sur la Terre. Ce monde est injuste. Donc, la vraie rétribution n'est pas sur Terre. La vraie rétribution, elle est dans l'au-delà. Elle est dans l'éternité. Et ce qui va nous amener au dernier point. Si on n'est si pas parfait, que ce monde est injuste et que la rétribution est dans l'éternité, eh bien, on va avoir besoin de tout un médiateur, d'un tout un avocat. Parce que comment, comment espérer accéder à un endroit qui est pur, qui est bon, qui est parfait et qui est juste, si je suis mauvais, imparfait, pécheur et injuste? Comment pourrais-je me tenir dans un Dieu parfait et accéder à un paradis parfait si je suis imparfait? On a besoin d'un médiateur qui va être parfait et qui va prendre parfaitement notre cause et je va remettre cette vision du monde en cause. Dans son propos, il va notamment il va parler de il va parler de, du fait d'être mort au milieu des riches comme des pauvres, des rois comme des esclaves. Il va dire au final là la mort... La, au final, la mort et le cimetière révèlent l'inégalité de ce monde, parce que peu importe la bonne personne qui a été, été ou la personne pauvre et méchante qui a été, été, on finit tous dans le cimetière égal. Que tu sois riche et beau ou pauvre et laid, en santé ou pas, peu importe, on finit tous dans le même cimetière. Ça n'apporte pas d'avantage. Donc il y a quelque chose qui marche pas dans l'idée de la rétribution, poussière qui retourne à poussière. Et Job va dire au final, comme on l'a vu, qu'il est une proie. Ultimement, il va dire, si la rétribution elle est vraie, donc il y a des bonnes personnes, ben moi je suis, je suis peut-être imparfait, mais je suis la meilleure des personnes imparfaites. Je suis la meilleure des bonnes personnes de la Terre. Donc, ce qui m'arrive, c'est la rétribution, elle est vraie sur Terre. Eh bien, je suis une victime, je suis une proie. Et ça, ça va mettre les amis de Job en colère. Et les amis vont tous répondre à Job à tour de rôle, de grands discours éloquents. Chacun a son style, chacun va faire référence à ses sources d'autorité à lui, mais ils disent toutes la même chose au final. Regarde un peu ce que les amis de Job vont dire. Éliphas va dire D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Hein? Tu récoltes ce que tu sèmes, littéralement. Et Bildad, lui, va dire Si tes fils ont péché, Dieu a dû les livrer aux conséquences de leurs actes. Mais toi, si tu recours à Dieu, si tu demandes grâce, donc si tu te repens, ben, Dieu va te remettre dans ta situation. Sophia va dire quelque chose de très proche Toi, Job, si tu affirmes ton cœur, si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes ton péché et tes fautes et tout quoi, bien Dieu va te ramener encore dans une bonne position. Tous les amis, déjà malgré leur grande éloquence, leur style différent et leur source d'autorité qui diffère, disent toutes la même chose au final. On récolte ce que l'on sème, c'est la loi du karma. Aide-toi et le ciel va t'aider. Ils enseignent le moraliste, la vieille mauvaise nouvelle de la religion, ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de prospérité. C'est ce le terme théologique biblique, c'est qu'ils enseignent la rétribution terrestre. C'est ce qu'ils enseignent. Et encore une fois, nous jugeons les amis de Job beaucoup trop vite. Pourquoi Parce que puisque le livre de Job va critiquer éventuellement les amis de Job. Tout de suite, on les voit comme des ennemis. Mais réfléchis avec moi. On juge vite les amis de Job, mais on se rend très peu compte qu'ils sont souvent un miroir de l'Église moderne. Les trois amis de Job, là, ça serait des prédicateurs populaires, aimés et connus aujourd'hui. Je ne dis pas que toutes les grosses églises et les prédicateurs les plus populaires enseignent cela. Mais j'ose dire que la majorité des grosses églises. La majorité, si on écoute bien, la majorité des grosses églises de ce monde et des plus grands prédicateurs de ce monde, ici au Québec comme aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, partout dans le monde, la, plus, la majorité des plus grosses églises et des prédicateurs les plus écoutés enseignent le même message des amis de Job. La rétribution terrestre, la prospérité, le moralisme, la religion, c'est le message le plus diffusé, malheureusement, dans l'Église moderne. Et ces prédicateurs-là, on leur donne de grosses églises, on les acclame, on les écoute sur Internet, mais on juge les amis de Job, par exemple. On doit être attentif. Ces prédicateurs, pourtant, ce que le livre de Job nous enseigne d'eux, c'est qu'ils enseignent le message de Satan. C'est Satan qui disait au départ, Dieu... On va vérifier si il ne te sert pas pour gagner un gain. C'est ça l'idée de Satan. Puis qu'est-ce que tous tes amis disent? Voici ce que tu dois faire pour gagner des gains, des points et des bénédictions avec Dieu. C'est le message de Satan, c'est l'évangile de Satan, la rétribution terrestre, la prospérité, la religion. Et on l'entend partout, voici les clés pour vivre ta restauration ici maintenant sur terre. Voici ce que tu dois faire pour ouvrir les écluses du ciel, pour récolter au centuple, pour recevoir plus de Dieu, vivre maintenant plus de puissance, de dons, de visions, de guérison comme Jésus les apôtres. Voici même comment entrevoir ton avenir. Voici comment vivre le rêve de Dieu, accomplir tes rêves, tes ambitions, tes promotions, vivre du succès, prospérité, rétribution moraliste. C'est l'évangile de Satan. Je prie, je donne, je sers, je lis ma Bible et j'essaie toutes mes forces d'éviter le péché plus que possible parce que j'ai peur d'être maudit par Dieu, d'être moins aimé et même d'aller en enfer. Et à l'inverse, à la positive, je prie, je donne, je sers, je lis ma Bible et j'évite le péché parce que je vais être béni par Dieu, je vais être exaucé dans mes prières, je vais être plus aimé par lui, puis je vais aller au ciel ultimement. C'est la religion. Et on est tous religieux. Même le chrétien qui consciemment dit « Non, 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 je sais ça que c'est mal, je sais que c'est la religion, je sais que c'est la prospérité. » Nous avons tous cette racine humaine à l'intérieur de nous. Hein? Tu es un ado, tu es un jeune euh, aux études. Dès que tu attends pour une note, ça va se trouver une bonne note. Tout d'un coup, là, dans la semaine, on devient un peu plus religieux. Hein? On se tient les fesses un petit peu plus serrées. Tu attends un test médical important, tu deviens un peu plus religieux. Tu as une entrevue pour une job importante, tu deviens tout d'un coup un peu plus religieux. On prie un peu plus, on nie un peu plus, on essaie d'être un petit peu plus sain. On a toute cette graine de religiosité à l'intérieur de nous. C'est la religion humaine qui déforme Dieu, qui en fait un Dieu injuste. L'évangile de prospérité est une mauvaise nouvelle, surtout pour celui qui souffre. Parce que ça dit, l'évangile de prospérité, même quand c'est dit à la positive, tu, vas vivre, tu peux vivre la santé, la prospérité, avoir le cœur toujours plein et heureux émotionnellement, la santé dans ta tête, sentir que tu es proche de Dieu, que tu es puissant pour guérir les malades, avoir, être utilisé par Dieu puissamment, vivre la paix et la paix avec tes proches. Mais la vérité, c'est qu'à différents moments de nos vies, on vit la maladie, ça va mal dans nos finances, on est épuisé émotionnellement, on a des conflits, on se sent dans un creux de vagues spirituellement avec Dieu, on ne vit pas les visions, la guérison la puissance des apôtres et, et de Jésus, et on ne vit pas ce, ce sentiment permanent d'apaisement et de paix. Et tourne de tout bord de tout côté, que ce soit me dit à la positive ou dit à la négative, ultimement, ultimement, ça fait mal l'évangile de prospérité. Ça fait mal à celui qui souffre. L'évangile de prospérité est doux à l'oreille quand on l'entend. Parce qu'il nous promet de belles choses qui sont accessibles si on fait les bonnes affaires. On peut contrôler notre prospérité notre bonheur. Mais c'est douloureux quand on rentre à la maison et qu'on n'y arrive pas. Ça fait mal l'évangile de prospérité. Parce que la personne qui ne le vit pas, là... Qu'est-ce qu'elle reçoit comme message? C'est que tu n'y arrives pas parce que tu pries pas assez, parce que tu manques de foi. Bien, Dieu veut te donner ce que tu veux, mais tu n'as pas assez combattu Satan par tes propres forces. Ou bien tu as péché et Dieu s'est juste détourné de toi. L'évangile de prospérité amène à deux extrêmes. Soit qu'on finit par rejeter Dieu parce qu'on le trouve injuste, ou finalement on se voit comme un injuste et on se voit comme un incapable. C'est ce qu'on voit avec Job. Je mets en doute la justice de Dieu, les amis de Job mettent en doute Job comme étant capable de plaire à Dieu. C'est les deux extrêmes de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité ne fonctionne pas. L'évangile de prospérité, c'est comme ouvrir une, faire une transplantation cardiaque, enlever le cœur, donner les instruments dans les mains du malade et dire maintenant, finis la job toi-même, tout seul. L'évangile de prospérité, c'est comme aller voir quelqu'un qui se noie dans la mer, arriver à côté de lui dans le bateau et commencer à lui donner un cours de nage. Pendant que tu prêches ta prédication de la nage, tu vas juste le voir se noyer. Le meilleur exemple de, de c'est quoi une prédication d'évangile de prospérité, de rétribution terrestre que j'ai trouvé, okay, Voici là, pour ceux qui me connaissent, vous allez voir que c'est vraiment la meilleure illustration. C'est comme me donner des outils de rénovation, de rénovation de qualité et penser que je suis capable de rénover ma maison tout seul avec. La meilleure illustration. Dernièrement, j'ai acheté une maison et j'ai hérité de plusieurs outils qui venaient avec la maison. Et là, j'avais un ami qui était dans ma salle de travail. Et là, il regarde mes outils et il dit, hey, « tu savais-tu que ça, c'est un outil qui vaut cher, de qualité? » Je suis comme, oh, « J'en ai aucune idée. » En fait, peu importe la valeur de cet outil-là, il est mort dans mes mains. C'est ça, l'évangile de la prospérité. Peu importe l'adresse des versets utilisés ou de l'éloquence, c'est mort, l'évangile de la prospérité. Et ça produit la mort. Ça produit la mort. Et voici pourquoi les amis de Job sont tellement « trigger », choqués, provoqués. Par ses propos. Job va mettre le doigt dessus en Job 6, 21, il dit En voyant mon malheur, et c'est pour ça qu'il réagissent, réaction émotionnelle humaine. En voyant mon malheur, vous êtes pris de peur. Pourquoi ils ont peur Parce que c'est tous des gens prospères qui sont venus avec leur grosse caravane et leur richesse. Job est un exemple de prospérité pour eux. Et là, le prince de la prospérité est tombé. Et là, eux, ils arrivent, ils regardent Job ils se disent Si l'évangile de prospérité ne fonctionne pas, ça veut dire que personne ici, on est en sécurité. Tout le monde ici, on pourrait tomber malade, on pourrait faire une faillite, on pourrait perdre des proches. Ils réalisent à ce moment-là que leur mérite ne peut pas acheter la bénédiction de Dieu et ça leur fait peur. Il est épeurant de réaliser que Dieu est souverain et saint. Il est épeurant de savoir qu'on ne peut pas rien mériter de Dieu, qu'on ne peut pas contrôler Dieu et qu'en vérité, on est injuste devant ce Dieu saint. Et juste. À l'inverse de l'évangile de prospérité, le véritable évangile, il est dur à entendre parce qu'il nous rappelle qu'on ne peut rien contrôler et qu'on est pécheur et injuste devant un Dieu saint, véritable et souverain. Le vrai évangile est dur à entendre, mais c'est véritablement lui, après, quand on le comprend, qui fait du réel bien à l'âme. Parce que Dieu a pourvu la situation. Il est saint, souverain, mais il a fourni le médiateur dont on avait besoin. Dieu nous a donné le médiateur infini, et éternel, dont nous avions besoin. Notre médiateur, c'est Dieu lui-même qui se fait homme. En tant qu'homme, il peut s'identifier totalement à notre humanité, mais en tant que Dieu, il peut totalement payer la dette de la perfection que nous étions incapables de payer. Il a accompli tous les standards de perfection, tous les critères de Dieu ont été vécus. Il a vécu cette vie parfaite. S'empêcher que je ne pouvais pas vivre, il a reçu la mort que je méritais recevoir et sa résurrection prouve que tout est accompli. Il a payé ma dette. En lui, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Et Job en vient, à, même dans les ombres de l'ancienne alliance, à percevoir son besoin d'un médiateur. Il commence à toucher du bout des doigts à la bonne nouvelle. Il va déclarer, il va le dire en Job, au chapitre 9, à partir du verset 28, il dit de Ce que je redoute dans tous mes tourments, car je sais bien que tu ne me traiteras pas en innocent. Il à ça... ici là, il arrête de se justifier et il réalise qu'il a besoin de quelqu'un qui va le justifier il arrête de se justifier il réalise qu'il est imparfait, mais s'il n'a pas fait de péché grave il reste une personne imparfaite je ne serais je tenu pour coupable alors pourquoi devrais je me donner tant de peine en vain j'aurais beau, beau me laver dans l'eau de neige oui j'aurais beau me nettoyer mes mains de la potasse tu me plongerais dans un bourbier fangeux pour que mes habits même me prennent en horreur car il n'est pas, pas un homme, tu n'es pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou pour que nous ayons ensemble au tribunal. Il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous. Que Dieu écarte son bâton et que la terreur qu'il me donne ne m'épouvante plus, alors je parlerai sans avoir peur de lui. Mais ce n'est pas le cas, je suis tout seul avec moi-même. N'y a-t-il donc personne pour me délivrer de ta main? Job comprend que ce monde est injuste, qu'il est imparfait et qu'il a besoin d'un médiateur parfait. La, ré la rétribution est une mauvaise nouvelle, parce que soit Dieu est injuste, soit on est incapable. C'est ce qu'on arrive au final, quand ça ne marche pas. Mais il y a une troisième voie. Christ. Ta justice, Christ, notre justice. J'arrête d'essayer de me justifier devant Dieu pour mériter quoi que ce soit et Jésus devient ma justice. Je, je prie pas, je sers, j'évite le péché et je donne à Dieu dans le but soit de gagner une faveur ou parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Non, je sers et je donne et je prie Dieu parce que j'ai déjà tout reçu pleinement, toute bénition spirituelle et éternelle en Jésus-Christ à cause de ce qu'il a déjà accompli pour moi et l'ensemble de ma vie n'est pas une performance pour gagner. Mais c'est une reconnaissance et c'est une louange à Jésus-Christ qui a tout accompli, ce que je peux entendre des Amen sur les réseaux sociaux. Job répondit alors en Job 12 En vérité, à vous tout seul, vous êtes tout le genre humain et avec vous, la sagesse mourra. Sagesse humaine rassemblée et épuisée. Vous un peu mentionné tantôt, chacun des amis de Job utilise des sources d'autorité différentes, pour finir par dire la même chose, mais ils vont utiliser des, des langages différents et des sources d'autorité. Remarquez, Eliphaz, il représente en même temps le mystique, mais aussi le scientifique. Tantôt, il va, il va parler un peu comme justement un prêcheur de prospérité moderne, comment il a reçu des révélations. Il va parler de révélation, mais tantôt, il va parler aussi de l'expérience de la vie, de l'observation. Eliphas représente le, le mystique et le scientifique, la science mystique, la science, euh, la science, de, la science expérimentale. Bilbad, lui, il représente la tradition. Il fait référence aux anciens, continuellement, à, aux anciens qui nous ont précédés. C'est la, la, la sagesse ancienne, la tradition ancienne, la religion ancienne. Tsofar, lui, utilise la philosophie. La raison, les arguments, les suites d'arguments logiques. Ensemble, ils représentent la crème de l'ensemble de toute connaissance, sagesse et science humaine. Et personne n'est capable d'aller au-delà que la rétribution terrestre, qu'elle soit religieuse, spirituelle, philosophique, argumentative, tout le temps, au final, rétribution. Terrestre. personne n'est capable d'aller au-delà de ça. Et c'est ce qu'on voit à l'époque, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ailleurs. Tout le genre humain revient à ça. Je disais il n'y a pas tellement longtemps qu'Arkansas, en 1997, il y a eu plusieurs tornades qui ont détruit beaucoup de maisons et euh, on a fait un retour collectif. Pour qu'il y ait une assurance particulière pour tous ceux qui ont, qui ont eu leur maison saccagée. Et c'est le gouverneur de l'Arkansas qui devait signer pour autoriser le, le, le paiement. Et à la dernière seconde, alors qu'il s'y était engagé, à la dernière seconde, il a refusé de signer et il a déclaré qu'il y avait un conflit de conscience. Parce que qui était-il pour aller au-delà de l'œuvre de Dieu? Si Dieu a détruit, c'est qu'il y avait une raison. Donc, moi, qui suis-je? Très mauvaise théologie, rétribution terrestre. Mais ça, ce n'est pas juste aux États-Unis avec un christianisme tordu et malade. On voit ça ailleurs. Quand j'étais en Thaïlande, on sortait des métros à Bangkok, moi et mon épouse, et il y avait des aveugles, des malades, des femmes monoparentales, des estropiés, et les gens dans le métro passaient par-dessus les malades et les estropiés et donnaient de l'argent à des écoliers d'écoles privées, toutes bien habillées, toutes beaux, qui ramassaient de l'argent pour sauver les baleines. Pourquoi? Parce qu'on croit la loi dure comme fer du karma. S'il est malade et estropié, c'est qu'il le mérite, mais eux sont prospères, donc je donnais mon argent pour leur cause à eux de sauver les baleines. Loi du karma. Et c'est la même chose ici. Hein? Le Québécois ne va pas donner à l'itinérant parce qu'il se dit si es là, c'est parce que tu ne veux pas travailler, tu récoltes ce que tu sèmes. Mais en même temps, il est religieux dans son cœur pour lui-même parce que demander à n'importe quel organisme de bienfaisance, le gros de leur don, c'est pendant le temps des fêtes, la guignolée, parce qu'une journée par année, le Québécois veut avoir l'impression qu'il est une bonne personne, alors il donne, mais une fois par année. Le Québécois, il est religieux. Et le chrétien, il est aussi religieux. Combien de chrétiens évangéliques, quand il y a eu les tremblements de terre à Haïti ou d'autres catastrophes dans le monde, se sont dit hmm, Peut-être qu'ils l'ont mérité quelque part. Peut-être que c'est un jugement de Dieu. Combien de fois ça, on entend ça, malheureusement, dans les Églises Combien de fois un chrétien regarde une famille qui a fait faillite et se dit Ouais, ben, eux, eux c'était peut-être des mauvais chrétiens, mauvaise gestion des finances. Ils ont jugé la faillite Combien de fois des chrétiens ont regardé d'autres familles chrétiennes que les enfants ne suivaient pas le Seigneur puis ont commencé à se péter les bretelles nous, nous, nos enfants suivent le Seigneur parce que nous, on a fait les bonnes choses. Je veux dire un point important ici. Il y a de très bons parents que leurs enfants ne suivent pas le Seigneur. Et il y a de très mauvais parents que par grâce, Dieu fait grâce et les enfants suivent le Seigneur. Je veux dire, tout parent va devoir un jour rendre des comptes. Est-ce que j'ai bien élevé mes enfants dans l'amour du Seigneur, dans la connaissance du Seigneur? Tous les parents sont responsables de leur enseignement. Mais le choix final que les enfants prêt, euh, prennent ne reviennent pas des parents. Un enfant qui suit le Seigneur, c'est toujours une grâce imméritée. Toujours. Mais il y a des parents qui vont juger. Et je l'ai dit tantôt, en t'attendant un test, une note, une entrevue, on se met tout d'un coup à devenir religieux et on juge les gens comme une balance de bien et du mal. Et la réalité, c'est que... Toutes les sciences, les opinions, les religions, les hypothèses, que ce soit religieux, philosophique ou scientifique ou spirituel, toutes les spéculations humaines rassemblées, comme on le voit ici avec les trois amis de Job, en viennent jamais plus loin que la rétribution immédiate. Toutes, 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 en viennent toujours à ça. Que tu prennes le fameux bouddhiste qui dit, oh, mais nous autres, on croit, ne on croit pas à la, aux divinités, puis tout ça, nous autres, c'est la réincarnation. Mais oui, mais le bouddhiste dit que tu dois toujours te réincarner et essayer toujours d'être une meilleure personne. Parce Qu'un jour, tu vas briser le karma et accéder au nirvana. L'hindouiste le, 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 va dire on a plusieurs divinités. Si tu sers un bon culte aux divinités secondaires un, et un bon culte à la divinité principale, Krishna, tu vas pouvoir atteindre aussi le paradis. L'islam le, va dire respecte les cinq piliers de l'islam et peut-être à ta mort, si dans la grande balance du bien et du mal, peut-être qu'Allah va te recevoir dans son paradis. Le juge va dire respecte toutes les lois de l'Ancien Testament. Puis si tu le fais assez bien, peut-être que tu vas rentrer dans le paradis de Dieu. Même le, le chrétien catholique va dire euh, fais les sacrements, bâtissez toi et essaye de faire le plus de bonheur pour aller le plus vite possible dans la vie après la mort au ciel, traverser les flammes du purgatoire puis aller au ciel. Même, le, même la science a une vision rétributiste, terrestre. La science va dire c'est quoi la science décrit l'évolution, le phénomène de la vie Je l'ai déjà mentionné hein? c'est l'animal le plus fort et le plus cruel écrase le, le plus faible, essaye de monter dans la chaîne alimentaire pour être plus en haut et transmettre ses gènes et continuer son espèce. Même l'athée matérialiste d'aujourd'hui, il se dit ben, moi, je crois pas à la vie après la mort. Donc la rétribution, elle est terrestre elle est maintenant crée-toi ton paradis ton ciel ici et maintenant. Et fait des bonnes études, et un bon emploi rapporte le plus d'argent, essaie d'accumuler le plus de confort et de vivre le moins de souffrance. Puis si tu n'es pas capable de créer ton ciel ici et maintenant, ben ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Alors si tu ne vis que de la souffrance, ben le ciel c'est maintenant et ici. Fait que si tu n'es pas capable de vivre cette vie occidentale de richesse et de confort qu'on qu qu te vend comme étant la religion, et bien si tu n'es pas capable de le vivre, ben peut-être oh, mieux vaut disparaître, hein? puis on va te donner des outils, on va te donner la mort dans la dignité c'est la conclusion d'une rétribution terrestre athée et même la religion philosophique sans religieuse monsieur et madame tout le monde québécois normatif Essaye d'être une bonne personne. Tout le monde, on essaie de monter les échelles de la vie pour essayer d'atteindre une sorte de paradis. Mais qu'est-ce que la Bible dit La Bible est le seul message qui diffère de tout l'ensemble de l'humanité. Il dit euh, En connais-tu toi une personne qui a réussi à monter, qui l'a vraiment goûté la vraie vie, qui s'est vraiment recréé un véritable paradis, qui a vraiment goûté à la vraie vie abondante, pleine, le véritable paradis terrestre juste et parfait Non, ça n'existe pas. Et Jean trois va le dire Aucun homme n'a réussi par lui-même, par ses efforts, n'a jamais réussi à monter au ciel. Mais il y en a un qui est descendu du ciel. Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel. C'est ce Louis qui va dire, le Fils de Dieu est devenu homme pour que les hommes deviennent fils de Dieu. Il est venu à nous parce que nous, on ne pouvait pas aller à lui. L'ensemble de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas ce que je dois accomplir pour aller au ciel, mais c'est qu'est-ce que Dieu a accompli par son Fils Jésus-Christ pour venir nous racheter et qu'on puisse accéder au ciel. La bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas le bon conseil religieux. Pour monter au ciel, c'est la bonne nouvelle de ce que Lui a fait et accompli pour nous pour qu'on monte au ciel. C'est ce qui diffère de tout l'ensemble de la sagesse humaine. Et pour en finir une dernière fois avec le clou de la prospérité, on voit dans ce texte que l'évangile de prospérité, la rétribution terrestre, c'est une religion qui est autant ancienne que moderne, comme on vient de le voir. Autant elle peut être chrétienne que athée. Elle peut être d'ici comme elle peut être d'ailleurs. C'est la religion des scientifiques, c'est la religion populaire. C'est une religion. Religion tout simplement humaine, ce que Paul appelle l'homme livré à lui-même, l'homme animal, l'homme naturel, c'est sa religion dans le cœur. Et la Bible nous dit que, ultimement, c'est la religion de Satan. Mort à la théologie de prospérité. Et pour en finir une dernière fois avec l'injustice de Dieu, hein, c'est une déformation de la, de, de la théologie de prospérité. Mettre un dernier clou sur le cercueil de cette fausse injustice de Dieu, laisse-moi te dire que non seulement Dieu est juge, Dieu est un bon, juste juge. Alors, il n'y a pas un compas plus droit que l'œil de Dieu. Dieu est un bon, juste juge. Mais plus que ça, la Bible nous révèle un Dieu qui est doublement juste. Et nous, nous sommes doublement injustes quand nous le rejetons. Je m'explique. Vous avez peut-être déjà entendu cette, cette illustration-là qui résume l'œuvre de Dieu où il y a une femme qui a volé un pain et qui est pauvre. Et là, cette femme-là se fait prendre. Et là, le juge voit la femme qui a une famille à nourrir, qui est pauvre, qui n'a pas de ressources. Et il va dire En tant que juge, le juge doit accomplir la justice En tant que juge, je dois vous donner une amende de 100 Et il cogne avec son marteau. Ensuite, il enlève sa toche, il descend de la chair, mais il dit En tant que concitoyen, je paye votre dette et même je vous donne une épicerie complète pour vous et votre famille. C'est une façon qui montre Dieu, dans sa justice, juge le péché. Mais ensuite, il se fait homme et il vient payer la dette à notre place et même il nous rentre dans l'abondance du Père. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur un élément, dans, cette, dans, dans cet élément-là, au niveau de la justice, la double justice qui est accomplie ici. Je m'explique. Si le juge ne payait pas à la fin, il faisait juste dire Vous devez 100 dollars vous êtes pauvres, vos enfants meurent dans la rue, vous devez 100 dollars Peut-être que les gens diraient Il est un peu sévère, le juge. Il sait qu'elle est pauvre, il sait qu'elle a des enfants, elle sait qu'elle est dans la rue, puis il lui donne un montant exorbitant pour elle qu'elle ne peut pas payer. Les gens pourraient suspecter que le juge est sévère. Mais si le juge, il est lui-même impliqué dans le paiement, personne ne va l'accuser d'être sévère. Au contraire, on pourrait même suspecter qu'il n'est pas assez sévère. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Dieu n'a pas juste décrété le jugement. Dieu est venu lui-même subir le jugement à ta place et t'offrir un paiement à la place. La, la Bible déclare que Jésus à la croix a bu la coupe de la colère totale de Dieu. Jésus a subi la colère totale. Jésus a bu la coupe de colère. Personne va être capable d'épuiser l'enfer. Jésus, celui qui l'a tellement bu, et a, Jésus a épuisé à la croix l'enfer pour celui qui mettait sa foi. En lui, Jésus a subi l'enfer en entier. Il l'a même épuisé au complet. Jésus a bu la coupe de la colère au total. Et il a subi l'enfer au complet à ta place. Donc, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas trop sévère. Et voici la vérité. Premièrement, personne va subir un, un jugement final de Dieu qu'il n'a pas choisi lui-même parce qu'il a rejeté un paiement qui lui était offert premièrement. Personne ne va subir quelque chose qu'il n'a pas subi lui-même, qu'il n'a pas, qu pas choisi lui-même. Deuxièmement, Dieu ne fera subir à personne rien qu'il n'a pas subi lui premièrement en premier avant nous. Non seulement nous méritions la conséquence, mais Jésus a subi la conséquence à notre place. C'est comme si Jésus arrive et dit, je l'ai payé pour toi. Et tu dis, je le mérite. Tu l'as même payé pour moi. Mais laisse j'en veux pas de ton paiement. J'y vais moi-même. Nous le méritons doublement. Non seulement nous le méritons, mais il a été payé et malheureusement nous rejetons. C'est pourquoi Jean va continuer, Jean III va continuer en disant Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Mais celui qui rejette le salut se met volontairement sous le jugement. Jésus est venu lui-même payer. Donc il n'est pas juste, juste, il est doublement juste. Il n'est pas trop sévère, il est impliqué dans le paiement, il le subit lui-même en premier. Lui-même en premier. Allons en louange et en prière et méditons à quel point nous avons un Dieu qui est bon, qui est juste et qui a subi en premier l'œuvre que nous méritions recevoir. À vous tous qui avez entendu le message de l'Évangile, si vous souhaitez en connaître davantage sur Jésus, la Bible, l'Église ou quoi que ce soit d'autre, comme par exemple partager un défi, un témoignage, une requête de prière ou obtenir un soutien particulier, je vous invite à nous écrire. À info à -de et un membre de l'équipe va vous contacter le plus rapidement possible. Et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse que j'ai à cœur depuis un certain temps et de m'adresser aux membres et amis qui étaient avec nous avant la pandémie et qu'on côtoyait régulièrement. Pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas encore revenu en présentiel encore. Et naturellement, je sais bien que ce ne sont pas tous qui peuvent revenir en ce moment pour des raisons de santé, par exemple. Mais si vous vous sentez interpellé par cette petite parenthèse, reconsidérez, vous déplacez pour venir voir la famille spirituelle et vivre vraiment l'Église avec les frères et les sœurs. Vous nous manquez. Et je suis à peu près certaine qu'on vous manque aussi, du moins, je l'espère. C'est tellement important de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. On a besoin les uns des autres pour grandir dans la foi et s'encourager les uns les autres dans l'amour que l'on partage pour notre Seigneur. Sachez qu'on prie pour vous et on souhaite vous revoir. Voilà pour la petite parenthèse. Aujourd'hui. En terminant, au nom de toute notre équipe et du comité d'administration, merci pour votre soutien, votre générosité. Je sais qu'on le répète souvent, euh, mais nous ne prenons pas pour acquis votre contribution. L'œuvre de Jésus continue à sauver et transformer des vies et votre soutien est important. Il contribue concrètement à notre mission de faire des disciples pour Jésus. Alors, pour nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en écrivant à à don.accommercial.egyptportal.com. Encore une fois, merci d'avoir été là. Et pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Bonne semaine.